Décontracté, ces joueurs, ils sont déjà qualifiés, mais c'est la première place du groupe hein, qu'ils visent, et pour cela ils doivent gagner ce match que l'on va suivre ensemble. Salut à tous, on a beaucoup de plaisir à être là, on va vous commenter cette rencontre du UEFA Champions League. Cinquième journée déjà dans ce groupe. Oui, on arrive bientôt au match à élimination directe, ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Un match qui s'annonce plutôt serré, on peut dire ça, Pierre. Ouais, sur le papier, ça sent le nul à plein nez. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Va faire un pronostic avec ça, toi. Défensive de ses joueurs, bien plus que sur la qualité technique de ses attaquants. En tout cas. Si, quand ils ont un contre à jouer, il n'y a que dans ces situations que tu verras cette équipe tenter quelque chose. Le reste du temps, elle campe un peu devant son but. Bref, on va s'amuser. Oui, voilà. On rappelle qu'en général, on y va déjà clair hein, dans les différents groupes à l'issue de cette cinquième journée. Oui, sauf dans les groupes très serrés, mais souvent c'est vrai que les jeux sont déjà faits. Découvrez le 11 de départ de cette équipe du Borussia Mönchengladbach. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. C'est un match du UEFA Champions League qu'on va vous commenter aujourd'hui. Un match de la cinquième journée, pour être précis, Hervé. Pour les équipes qui ont laissé des points en cours de route, c'est vraiment le moment de faire le plein. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Et corner, hein, ça devenait un petit peu chaud. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Diallo. Alassane Pléa. Paul Jean-Tep. Voilà, belle. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Blaise Matuidi. L'équipe locale qui a déjà son billet en poche pour la suite de l'épreuve et qui a envie de continuer avec un nouvel objectif, la première place du classement. Bon, tout le monde sait qu'un petit point leur suffirait, mais bon, en terminant à la première place, ils pourraient aussi éviter un gros. Donc, l'heure est au calcul. Ça peut être dangereux. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Et avec Lozano. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Et
tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Alassane Pléa. Enis Bardi. Yavin Lozano. Zakaria. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Le tir. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Yeray. Le soleil. Coquelin. Rafael Guerrero. Yeray. Touré. Blaise Matuidi. Francis Coquelin. La frappe. Contrée. Et ce sera un corner. À l'équipe qui a pris l'avantage. Probablement au meilleur moment, on revoit ce but qui fait si mal. C'est sur un tir placé sur la droite qu'il a fait la différence face au gardien. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Rafael Guerrero. Ça part au premier poteau. Il est marqué à nouveau. J'aurais bien aimé. Ah ben ça marche pas à tous les coups. Santiago Arias. Mbolo. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Ah, le bon décalage de Payet. Il prend sa chance. Avec un tir. Oh, il est partout le gardien, c'était pas fini. Alassane Pléa. Mbolo. Paul Jorgentep. Ouais, ils sont nombreux, il faut pas gâcher ce ballon. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Oh, il va filer au but. Attention le tir. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Le buteur qui s'est retrouvé dans une position idéale, bien sûr, pour marquer. On ne peut rien faire à cette distance. Bien ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Alassane Pléa, Mbolo. Rafael Guerrero. Payet. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Il prend sa chance. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Et il donne un ballon piqué. Hors jeu, il est parti trop tôt.
Dimitri Payet choisit la frappe. Un petit peu trop de précipitation peut-être. Zakaria. Enis Bardi. Paul Gergentep. Les adversaires de Gladbach qui ont déserté ce côté. C'est finalement un ballon perdu. Paul Gergentep. Diallo. Et avec Lozano. Payette. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ah, la contre-attaque qui se termine avec ce ballon perdu. Enis Bardi. Alassane Pléa. Payette. Ah, attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Oh, il peut centrer. Il centre vers ses partenaires. Il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Enis Bardi. Alassane Pléa. Paul Gergentep. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. C'est dans le paquet. Tranquillement hein, pour le gardien ce centre. Belle prise de balle. Zakaria. Enis Bardi. Paul Gergentep. La fin de cette première période sifflée à l'instant et tout se passe bien pour cette équipe qui prend provisoirement la première place du groupe. Ça reste 45 minutes bien sûr. Ils sont qualifiés. Ils sont en tête du groupe pour l'instant. Tout va bien. C'est un match du UEFA Champions League qu'on va vous commenter aujourd'hui. Un match de la cinquième journée pour être précis. Ma bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Et Irving Lozano. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entrer. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Le tir. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Ça part au premier poteau. Il voulait marquer à nouveau. Il aurait bien aimé. Ah, mais ça marche pas à tous les coups. Oh, il va filer au but. Attention le tir. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mon... Dimitri Payet choisit la frappe. Un petit peu trop de précipitation peut-être. Oh, il peut centrer. Il centre vers ses partenaires. Il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même, enfin. Ils
le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. Et suite de ce match de la cinquième journée. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Dimitri Payet. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Et avec Lozano, avec un tir. Oh, la grosse occasion pour Dimitri Payet. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Il a tout fait pour marquer, mais quand la malchance s'emmène, enfin bref. Paul Jorlintep. Il la joue un petit peu comme au hand, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ah, c'est superbe. Ah, l'adversaire est cloué sur place. Il a ramené le jeu dans l'axe. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Au ralenti de cette action, finalement le ballon qui n'est pas du tout cadré. En sur ce ralenti, on voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose. Enis Bardi. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Alassane Pléa. Zakaria. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? Une première période sérieuse, avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. Hein. Un petit peu d'espace pour centrer. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Ah, une marque de la tête. Ah, il y a l'anticipation, la puissance, la précision. Et...
tout. Ah, c'est un superbe but de la tête qu'on revoit sur ce ralenti. On vous laisse admirer le timing, la finition. Et ce but qui signe peut-être leur retour. Oh, ils sont en train de faire une belle remontée là, et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Et avec Lozano. Mbolo. Alassane Pléa. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Il est sur la trajectoire. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Paul Georges Ntep. Ah, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Un corner bien. Alassane Pléa. Ah, ça se joue à pas grand chose. Hein. C'est le gardien qui remporte ce duel. À cette distance, je me demande s'il a fait le bon choix quand même. Hein. Le gardien aurait eu du mal à la bloquer. C'est finalement un ballon perdu. Payet. La frappe. Pas de problème pour le gardien. Corner. Le ballon est sorti des limites du terrain. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Ouais, bien défendu, il y avait un petit peu le feu. Petit aveu d'impuissance hein, quand même pour cette frappe très lointaine. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Santiago Arias. Allez par-dessus, pas mal. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Yeray. Coquelin. Il y a beaucoup d'espace devant. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Santiago Arias. Zakaria. Mbolo. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Enis Bardi. Carillo. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. Alassane Pléa. Allez, touche, très bonne intervention défensive. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Enis Bardi. Zakaria. Alassane Pléa. On s'approche du but. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Dimitri Payet. Il prend sa chance. On a pas de quoi inquiéter le gardien. Oh, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait. L'arbitre a sifflé, qu'est-ce qu'il va faire? Et l'arbitre qui siffle faute, carton jaune.
s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Allez, mauvais tacle, hein, il est en retard, il commet la faute. Raphaël Guerreiro, Coquelin. On écarte le jeu. Francis Coquelin. Elle frappe contrée par le défenseur. Santiago Arias. Brandon Mekele. Mbolo. Enis Bardi. Ouais, lumineux cette passe. Ouais, la passe en profondeur. Avec un tir. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression en cette fin de match. Francis Coquelin. C'est le défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner donc. Un changement pire pour l'équipe de Mönchengladbach. Un changement qui va peut-être obliger l'autre équipe. Touré. Oh oui, ça rentre. Ils prennent de l'avance, hein. Ils vont bientôt prendre le large. Allez, pour le plaisir, le petit ralenti de ce but. Excellente finition sur ce corner, le joueur qui a su sauter au bon moment pour reprendre ce ballon de la tête. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Torgan Hazard. Enis Bardi. Oh, le défenseur, il n'a rien compris là. Ah non, je crois que le temps qu'il pige sur quel pied il fallait mettre là. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Le soleil. Matuidi. Coquelin. Cario. Torgan Hazard. Alassane Pléa. Les adversaires de Gladbach qui ont déserté ce côté. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Tarkowski. L'arbitre qui siffle la fin du match sur un score qui envoie cette équipe en huitième de finale de la Champions League. Mission accomplie. Oui, la mission c'était la qualif et ils sont allés la chercher. Bravo. On va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui, hein, Pierre. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance. Ma bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Et avec Lozano, et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entrer. Oh, il va filer au but. Attention, le tir. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mon... Un petit peu d'espace pour centrer. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ah, il marque de la tête. Ouais, quand on a bien tiré. Ah, là, ça ne plaît pas. Ah, ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est le gardien qui remporte ce duel. À cette distance, je me demande s'il a fait le bon choix quand même. Le gardien aurait eu du mal. La frappe. Pas de problème pour le gardien. Corner. Le ballon est sorti des limites du terrain. Il prend sa chance. Non, pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait.
Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Un changement, Pierre, pour l'équipe de Mönchengladbach. Un changement qui va peut-être obliger... Touré. Oh oui, ça rentre. Ils prennent de l'avance, hein. Ils vont bientôt prendre le large.